sasa, sept, saba, accepter les conseils. Kukubali mashauri. Tu m'aimes? Ukinipenda? Ça je te conseille, écoutez. Ninapo kushauri, nisikie. Tu m'aimes? Ukinipenda? Ça c'est Proverbe 27:9. L'huile et le parfum réjouissent le cœur, et les conseils affectueux d'un ami sont doux. Eti, mafuta na malashi yanafurahisha moyo. Na mashauri mema ya rafiki ni matamu. Si tu es de cette catégorie, kama wewe ni wa mtindo huu, ce sont ces gens, ni wale watu, quand tu l'aimes, unapompenda, usimwone mkosa unyamaze. Uh-huh. Un ami c'est quelqu'un qui te voit en erreur, il te dit. Rafiki mwema ni mwenye kukuona mkosa na nakwambia. Un ami, rafiki mwema, c'est quelqu'un à qui tu donnes conseil, ni mwenye unashauria, il le met en pratique. Ana weka mashauri matendo. Mais si quelqu'un écoute les conseils, lakini mtu akisikiliza mashauri, et ne le met pas en pratique, na hayatendi, c'est-à-dire qu'il ne te considère pas, ni kwamba haone thamani yako. Sasa ngoja mimi nibambie, je vais vous dire, mwanaume mwenye mbele anze kuwa naongea na bibi yake anakimbiliaka kwa mama yake, haiko mwanaume. Ule ni bure. Un homme qui, au lieu de commencer à faire conseil avec son époux, doit aller demander à sa mère le conseil, n'est pas un homme. Non, non. Le premier conseil de la famille commence entre l'homme et sa femme. Mushauri wa kwanza mubunyumba anakuwa ni bibi au bwana. Vous allez chez votre père, chez votre mère, chez les autres, sachant que vous et votre femme, vous avez manqué la solution. Usikimbilie kwenu kwa baba na mama yako wakati wewe na mwenzako hamuya tatua shida. Richard, ta première conseillère sister, ce n'est pas mama Thérèse ici. Ndugu Richard, mshauri wa kwanza haiko mama Thérèse. Pas elle. C'est celle-ci. Usiku na kimbilia kwa mama Thérèse. Si sa part, on lui demande. Kama bitaribika ni yeye watauliza. Si elle dit hakuniuliza, alienda kwa mama yake, tunakushweka. Mhm. Tutakufunga. Et mumuulize. Mia ni ulizak. Kadogo ni kwa mama yake. Vinakufa. Mambo yanaharibika. Sano. Ile tabia pana ndugu. Je dis non. Nasema wazi hapana. Ton premier conseiller c'est lui. Pas papa ici. Mshauri wa kwanza ni yeye, haiko baba yako. Aujourd'hui qu'il vient de te céder à Richard, ton premier conseiller c'est lui. Mshauri wa kwanza wako unasikia dada Esther ni Richard. Le jour où tu ne peux apprendre qu'il y a des choses que tu es allé dire chez vous sans lui en parler. Siku yenyewe bwana wako anapata habari ya kwamba ulipeleka kwenu na hukumwambia. Ça chauffe. Mambo yanaharibika. Combien d'hommes sont dirigés par leur mère? Banaume ngapi banaongozwaka na mama yao? Combien de femmes veulent dominer leurs enfants? Banamuke mingi wanapenda watawale batoto yao banaume. Basi mimi unanisikia ka depuis ulioa, alioa kweli. Ndio. Sasa. Est-ce que moi tu m'écoutes depuis que tu t'es marié? Oui, il s'est marié. Oui, nilishaoa niko kwangu. La Bible dit l'homme quittera son père et sa mère, Biblia et s'attachera à sa femme. Mume ataacha baba na mama na ataambatana na mkewe. Est-ce que je peux me rassurer que je me fais écouter? Je ninaweza hakikisha kwamba mnasikiliza. Tu vas acheter la parcelle chez mama. Unataka uza kiwanja uende ulize mama yako. Unataka uza pikipiki ya kukubeba. Mama, niuze moto mama. Tu as 10000 dollars mama, laisse mais ton épouse ne connaît pas. Kuna vitu mama yako anajua bibi yako hajue unyumba gani. C'est pas l'amitié, c'est pas l'amour. Haiko, attendez, si tu m'aimes, kama unanipenda, accepte mes conseils. Kubali mashauri ninayo. D'ailleurs, le numéro 9, c'est quoi? Kwanza, hii mtindo wa kenda ni nini? Je vais sauter même au numéro 10. Ngoja hata nirukie kwa ya 10. Le